Salut les amis. Bon, salut la compagnie. Salut les gars. Salut tout le monde. Vous avez déjà dit salut vous. Bon, là on se retrouve pour une vidéo, comment on pourrait appeler ça? Vacances? Détente? Ouais, si tu veux. Oui, voilà, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, en gros, il va pas avoir d'explication. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Non, mais il va pas avoir d'explication parce qu'on fait 5 jours en fait. Donc on est tous les trois, après il va y avoir plusieurs personnes qui vont nous rejoindre mais qui vont repartir, tout ça. Mais ça va être une vidéo détente parce qu'on est sur une gravière qu'on a déjà pêchée X fois, on a déjà fait 2 vidéos dessus où on explique en fait nos techniques de pêche, tout ça. On va faire exactement les mêmes. Et c'est ça, tu foires toi. Foires tout le temps elle. Donc du coup, il y aura que du poisson. 100% poisson. On va essayer de filmer quelques départs, hein. Vous savez que c'est toujours aussi compliqué, donc on va essayer de filmer quelques départs, peut-être des combats, on va voir quoi, mais il n'y aura pas d'explication, donc on espère que ça vous plaira. En fait c'est un peu un test en fait, de vous faire des vidéos comme ça, de vous faire une vidéo comme ça, donc on va essayer de faire un maximum de poissons, un maximum de gros poissons de préférence. On va essayer, on verra. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on est sur une gravière où il y a The Big Mémère, quoi, qui dépasse la deuxième barre mythique, quoi. Donc la deuxième barre mythique, c'est les 30 kilos. Donc, bon, on rêve pas trop, hein. On rêve pas trop, on espère pas trop la faire non plus. Mais bon, on sait jamais, sur 5 jours, hein, on est quand même 3 pêcheurs. Un miracle. Voilà. Donc, il y a des belles communes aussi, on espère en faire quelques-unes. Et puis sinon, éviter quoi? Éviter les brèmes. Ouais, les tanches. Les tanches. Les tanches. Ouais, on a un spécialiste des tanches là à côté. Et un brumiste. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Vous avez des trucs à ajouter? Non? Non, rien de très spécial. Elle est courte hein, comme intro, celle-là, comme d'habitude. Hein. Vous remarquerez qu'on a fait un effort, hein. Elle est vachement courte. C'est vrai. Voilà. Vous râlez tout le temps, ben. Voilà. Vous râlerez encore une fois. Voilà. Trop court cette fois. Voilà. Bon, bah allez. Tchuss. On vous laisse profiter de la vidéo. Et puis, comme dirait Joss, tchuss. Tchuss.
Yellow Zombie a encore frappé pour la deuxième fois ce matin. Juste avant une foulie de 13 kilos. Magnifique. Et là, ben, badaboum. Un poisson qui dépasse largement les 10 kilos encore. Une superbe commune capturée pareil. Alors, Yellow Zombie, c'est magnifique. Super content de ses bouillettes. Une vraie tuerie. Hashtag radical. C'est cool! Ah, mais c'est moi! Non. Eh oui, touche en direct! Touche en direct du patron! Il est chaud patate, les amis! Le voilà en plein combat! Ouais, en plein combat, elle est dans la bouée, la carpe! Il va faire un petit tour à la nage? C'est ça. S'il vous plaît, chef! Bah, qui tient la canne? Mais non, mais elle peut dans la bouée là! Si, ah, la bouée! Comment elle fait? J'arrête la caméra, non? C'est pas drôle. Viens faire un câlin. Viens faire un câlin, tonton. Viens. Viens. Oh putain, mais il filmait cet enculé là. Ça y est. Elle est rendue. Après avoir traversé la moitié de l'étang à la nage, fil pendu à la main, jusqu'à la, l'autre bouée qu'on voit là-bas, le poisson s'est rendu. Allez, Yellow Zombie, encore comme d'hab. Une tueriste, bien. Une tuerie. Il est con. Alors, tiens, Jos. Attends, des fois. Hop là. Et oh là, regardez ça, petite miroir. Nickel. À la sauvage. Pirate jusqu'au bout. Allez hop. Je vous présente les fous. Non, mais je parlais de Damien.
n'a pas fait nos boucles. Non. Vraiment. On l'a fait pour que tu rigoles. Ouais, voilà, parce qu'après, quand il nous a dit qu'il était, il nous a dit. C'est pour ça qu'on a eu des boucles. On a fait ça proprement. Voilà. Ah non, par contre, on a pas été très loin. Oh, c'est fait, vous vous êtes prêts. Ah non, vous avez été des enculés, hein. Moi franchement, je casse tout, hein. Regarde bien quand même, mets ta tête dedans. Oh, putain de merde. Comment t'as trouvé? Elle m'a pris les boules.